Pourquoi il y a Machia, Machia il arrive. Machia, je vous ai dit, il dit, regardez le Kotel. À son époque, j'ai connu l'époque où il y avait les Britanniques. Il y avait 5 personnes, 6 personnes au Kotel. 10 personnes, c'est tout petit, il n'y a pas de place. Aujourd'hui, des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Alors qu'est-ce qui manque? Il faut passer de l'autre côté, c'est tout. Il faut passer de l'autre côté du mur, moi. Et pourquoi on n'y arrive pas? Palafonim, palafonim. Téléphonim. À cause des téléphones. Téléphonim. Il veut rien savoir. Même cachère, pas cachère, ça c'est fini. Cachère, filtre, pas filtre, rien savoir. Là, chez lui, ce soir, deux, ils ont cassé le téléphone avec le filtre. Pas de téléphone. Avec le filtre, hein, c'est toute une cérémonie. Apprends à chanter. Il n'arrête pas de dire ça. Mais c'est que dans l'ador qui parle à Bouteille. Il n'arrête pas de dire. Téléphone, téléphone, téléphone. C'est les téléphones. Faut casser. Et il prend ça très au sérieux. Il fallait voir la cérémonie qu'il a fait. Il était pressé. On devait donner chez nous. Non. Amène le marteau. Amène la poubelle. Il faut patige. Suis bantem et casse. תשליר, תגיד, תגיד, ותשליר ממזולות ים, כל חטאותיו, זרוק! חזק, חזק, זרוק! יפה שם, ותאר לי בנו. עכשיו זה פרסי, לא יהיה. קח, טלפון. זה סמכו של נקוב. זה מעכב את הגאולה. פרסם השיח, יהיה פעם, זה איתי. פרסם השיח, יהיה פעם. או קשה, או בטיח, שהוא Ça y est, fais tchouva. Qu'est-ce qu'il dit, l'Yetzer Qu'est-ce qu'il dit, l'Yetzer C'est là qu'on s'est arrêté hier. Ad matai petaim te havu peti. Jusqu'à quand petaim, j'en sans date. Des gens bêtes, des gens qui réfléchissent pas, t'es à vous, petit, vous allez aimer la stupidité. Téléphone, 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 téléphone. Admatai t'es à vous, petit. Veletim, la tson hamedou, letim, les letim, ceux qui aiment. Rigoler, la rigolade, les groupes, groupes de blagues, groupes de zé, groupes de zé, les tsanout, mazem mochav les tim, rabotai, les tim, c'est pas que rigoler. Shnaim shiyashvu benehem, ben benehem, divrei Torah, areze mochav les tim. Comme ça, la Mishnah dit non, Pirkei Avot. Les enfants, ils connaissent par cœur Pirkei Avot. Shnaim shayu yoshvim ve'en benehem, divrei Torah. En benehem divrei Torah, hare ze moshav letzim. C'est quoi letzanim? C'est quoi letzanout? C'est que j'ai une Torah. Letzanout, c'est pas que de la rigolade et le nez rouge. C'est pas qu'un letzan, c'est pas le. Être un clown. Et la letzan, c'est quand il n'y a pas de Torah. Letzan, c'est quand il n'y a pas de Torah. C'est ce que dit l'Agmara dans Maseret Megillah. Rav Tzedka nous a dit ça tout à l'heure. Il y avait un chacham, Rabbi Eliezer, qui commençait quand il était d'Oresh, dans les Inyanim de Purim. Il était d'Oresh. Ce passouk-là, ובעצלתיים ימח המקרה בשפלות ידיים ידלוף הבית.
D'accord. Batzal Taim. Qu'est-ce que j'ai dit? Batzal Taim. Mach Hamakre. Beshifrut Yadaim. Idlof Abait. Quel daf c'est ça déjà? Bon, on irait Shnia Achat. C'est quoi cette grande xéra là qu'il y avait Béam Israël, grande xéra qu'il y avait Béam Israël, de détruire tout Am Israël, un peuple entier en un jour. Même Marchemo Vezecho en Allemagne, c'était leur but aussi, de détruire tout le peuple, tous les juifs. Aval. C'était compliqué à faire ça. Ça n'a pas pris un jour, ni deux jours, ni... Ça a pris beaucoup de temps. Il fallait construire des maisons spéciales, il fallait construire des fours, il fallait ci, il fallait ça. Je trouve pas le passé de moi. Avalan Xerat Kazun aura en un jour détruire tout le peuple. En un jour. Asile Doresh Rabbi Eliezer ou Ben Hatzlot Imacha Makre. מה? איפה זה? איפה זה? הנה. בעצלתיים אימך המקרים. רבי אלעזר, פתח לה, פיתחה לה, פרשתה מאחר, כהן לי תדורש, באגדות של פורים, היא קומוסה דו ספסוק. בעצלתיים אימך המקרה, פר לה, פרס, לעצלות, אימך המקרה, לפוטח, ספונד. ובשפלות ידיים ידלוף הבית, לעסקן דום, שפלות ידיים, לא צריך לבחור נאמר, זה פחסה, לא, סלסלה, ידלוף הבית, על ידי, דפית, תקול, ניסים, ניסים ונפלות, בשביל הצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח. הקוז לפרס בעם ישראל. אני פה עוד בחשברוש. שלא עסקו בתורה, אז שונאו של הקדוש ברוך הוא לנויד השם, זה לשון סגי נאור. הוא פעל לשם לימן. נעשה מח, מח, כאילו, בתפורס. אז אני לספר. וואלה, לגויים יפוס כיבל, יסו קפג, דריבה אין סיטואציון, אין ג'ורי פרדיטרו תורם ישראל. קו יכול, אין כוח. אתה עצלן? אז גם הקדוש ברוך הוא קו יכול מתנהג בעצלות, חס ושלום. קו יכול. בעצלות? זה תורה? יפת תורה? יפת תורה? אז יש גזרות. יפת תורה זה מושב לצים. זה כל יפת תורה? זה כל פרס... perdre leur temps avec le talafon. Qu'est-ce que c'est beau, j'aime quand il dit ce mot comme ça. Talafon, la talafon, il a même pas de téléphone normal, lui est petit comme ça, des touches là-bas. Talafon. La taref. Taref. Vadaï taref. Vadaï taref. Des groupes, c'est... les teams. On parle de groupes. Il y a des choses beaucoup pires que ça. Il n'y a pas dans les cachères, ça. Il n'y a pas dans les cachères des choses qui sont pires. Des noms qu'on ne veut même pas mentionner dans un Bet Midrash. Côté d'un Sefer Torah, on va commencer à mentionner des noms de choses Tmeim. Que le monde entier utilise. Quel rapport ? Que vous êtes, combien Kadosh Baruch Hu vous aime. Vous êtes loin, vous n'avez pas de ces choses-là. Il faut enlever même à la maison. En France, il y en a, ils ont laissé en France. Il faut appeler, allô, papa, maman, jette, tire la chasse. On a laissé en France. Après, on rentre en France, il y a ça. Bah, minan. Même si celui qui est ici, je ne sais pas s'il y en a, ils ont ici à l'Aïchiva. Qu'ils aillent voir, cher Rav Tzadkan. Après, les brachot, bon, les brachot qui reçoivent. Ah,
les marottes. De folie. Hein? Si t'as pas besoin de bracha, si t'as pas de téléphone. T'es mévorach. Dans une génération pareille, un bachour de ton âge, qui étudie à Torah toute la journée, qui a pas de téléphone, va t'es mévorach, et toi, tu dois faire des brachot. Toi, tu dois faire des brachot, hein, tout. La queue, Am Israël doit faire devant toi. La queue, il doit faire. Tu peux même prendre l'argent. L'accueil doit faire pour prendre bracha de toi. Pas de téléphone. Non, c'est que Batora, dans une génération pareille. Fais plus que tout ça, c'est 7h du matin, tu fais là, la guerre, tout le monde là, 7h. Ah, la guerre. Je vois que c'est la guerre. Alors on va gagner la guerre. Alors t'as chez Mibara. Comme ça. Kedusha, Tahara, Moussa, vous aimez le Moussa, vous aimez les Khamim, vous aimez la Torah. Ah. Toute la. L'humanité doit faire la queue devant toi. Madame la mère, t'as me vorar. Faut être conscient du srout qu'on a. Faut être conscient. Faut être conscient de la bracha que je beaucoup birer autant qu'on est dans la kdoucha. On est dans la kdoucha, vous ne vous rendez pas compte. Ah, il y a des guerres, c'est dur. Il y a des guerres, c'est normal. C'est normal. Veletim, latson, hamdou. Les letim, ils aiment le latson. Ils aiment le latson, comme on a dit, les groupes, les nyanim, la batala, des heures comme ça, avec un écran, du sport, tarbout yavan, un ballon, les gens qui courent derrière un ballon, un but, deux buts, 0, 3-0, 4-0, 5-0. 10 euros, à quoi le zéro, que zéro, tout zéro. Zéro, zéro. Ah, c'est chutou, Yadayla. Veletim, c'est Shlomo Melech qui dit. Veletim, latson hamedou. Admatai, dit Shlomo Melech. Admatai, jusqu'à quand? Petaim, avou peti. Veletim, latson hamedou. Lahem. Ursilim, isneu dat. Ursilim, c'est ceux qui n'ont pas de dat, comme on a dit. Il faut voir la différence entre peti, entre xil, on verra dans le Gaon. Isneu dat. Pas, ils ne sont pas intéressés par le dat. Sonim dat. Ils haïssent la chokma. Ils haïssent. Pourquoi? Parce qu'ils sont xilim. Parce qu'ils sont vides de chokma. Celui qui aime la chokma, il aime le dard, il cherche. Celui qui est chacham, il aime le dard. Alors on commence un peu les paroles du Rav. Admatai petaim bnei adam amitrahakim atzmam bnei Torah. C'est d'avoir pelé. J'ai lu cette phrase-là juste avant la Chazara. C'est d'avoir pelé, je me suis dit. Comment les gens, ils abandonnent la Torah? Comment les gens ne sont pas dans la Torah? Vous savez que c'est une grande question ce que je demande. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un kiff. Non? Être avec Hachem, faire les mitzvot, c'est merveilleux. C'est un plaisir. Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Gan Eden Shabbat. Comment on peut vivre sans Shabbat, Bichna? Comment les gens ne font pas Shabbat? C'est bel et plein. Pourquoi ils abandonnent la Torah? Arrête. Si tu me dis, quand ils abandonnent la Torah, ils ont trouvé du miel, et ils ont trouvé le bonheur, ils ont trouvé la sérénité, ils sont heureux dans leur foyer, et leur vie est belle, et... Je peux comprendre le Yitzhara, je peux comprendre une raison de quitter. La Torah, c'est... Le Chas V'Shalom, c'est une horreur, et dehors, c'est merveilleux. Bon. Mais c'est pas comme ça. C'est pas seulement pas comme ça. C'est l'inverse déjà. Et c'est loin, à des années-lumière d'être comme ça. Les gens dehors, ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux, ils ont des initiatives, ils ont des problèmes, ils ont des sourires, ils ont des sabots, ils sont inquiets, ils prennent des cachets, ils vont chercher des psychologues, des psychiatres. Et ceux qui vont pas, ils explosent. Et catastrophe ce qui se passe dehors. Les gens, ils sont pas heureux. Mais
Je tombe pas, je tombe pas, je tombe pas, je tombe pas. Non, c'est pourquoi t'es pas dans la Torah? Pourquoi tu fais pas Nida? Pourquoi tu fais pas Shabbat? Pourquoi tu manges pas Kasher? Pourquoi? C'est Kasher la Gdola. Hein? Gava? Mais il est pas heureux. Bah, alors réfléchis une seconde. On soumet à la Torah. Et on est heureux. T'es pas heureux? Hein? Regarde bien ce sourire. Ah, tu rigoles. Toute la journée, tu rigoles. Si on n'a jamais connu la Torah. Hein? Si le, la personne croit qu'elle connaît. Vérifie. Vérifie. Regarde. On dit que c'est bien. Ouais, on dit que c'est bien. De deux, ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas attaché à la Torah. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas attaché à Hachem. Il y a une Neshama à l'intérieur. Il y a une Neshama. Cette Neshama-là, elle parle du matin au soir. Elle crie, elle pleure, elle demande, elle veut de l'oxygène. Chaque juif qui a une Neshama, alors il est attaché à Hachem. Parce qu'Hachem est en lui, à l'intérieur de lui. Donc tout le monde sait ça. Tout juif a une Neshama. Oui, chaque juif, j'ai dit. Ah, qui a une Neshama. Ah, c'est ça. Je fais allusion à Erev Rav. Il arrivera, c'est autre chose. Tu comprends? Chaque juif qui est juif, dans sa Neshama, qui est juif, vrai, il est attaché à Hachem. Il sait c'est quoi Hachem? Il sait c'est quoi la Emouna? Il sait, Modaï. Regarde comment t'allumes un juif en 12 secondes. Tu viens, tu lui parles un peu, il a les yeux qui brillent. Là, il y a un couple qui est venu. Chilonim, ils ne connaissent rien. De quoi j'ai parlé? Shalom Bayit, on parle de Shalom Bayit. On parle avec toi. Speak. Avec toi. Oh, ils sont contents. Ah ouais, wow. C'est comme des fous. Tu prends un juif n'importe lequel. Tu lui parles de Torah, ça sort du cœur. Pas comme des gens qui parlent de Torah comme avec un marteau. Ils ont, eux-mêmes, ils n'ont pas de Torah. Non. Un homme, il aime la Torah. Il parle de la Torah. Qu'il aime, ça rentre comme ça dans le cœur. Comme la... Comme le vaccin. Tac, première dose, deuxième dose. Le vaccin. À l'époque de Esther, il y avait aussi le corona, vous savez. Ça veut pas. Non? Il y a écrit, Ashvarosh, il a fait un Mishte, Bahatsar, Betamelech. Dans le Hatser, il a fait. Pourquoi elle fait dans le Hatzé? On ne peut pas de l'autre. D'accord? Alors Vashti, elle a fait Bet Amalchut. Vashti, elle a fait à l'intérieur. Pourquoi Vashti, elle a fait à l'intérieur? Parce qu'elle s'est fait vacciner. Et d'où tu sais qu'elle s'est fait vacciner? Parce qu'elle a une queue qui a poussé. Je vais te pourrir. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on parle de Torah à Bataille? Ça fait, ça donne la simcha. Et regarde, on est un jour de Torah, on parle, on est smérim. Ma notov, ma, qu'est-ce qu'il y a? Là, on est smérim. Après, au Bet Midrash, dans la Kita, on est amélim, on est romlim, on est smérim dans le ayou, on a compris un pshat. Mais il y a une simcha plus grande au monde de comprendre un pshat, de comprendre un malar dans une mara, il y a une simcha plus grande que ça au monde. Ah putain. Et après, il y a les mitzvot, il y a les tfilot, il y a le kasher avec Boré en l'âme, il y a les tzadikim. Ah, c'est merveilleux. Comment c'est possible qu'un homme, il n'est pas dans la Torah? Alors, Rav ici, dans son introduction, mais je ne vais pas retenir plus, il donne trois raisons à ça. Trois raisons pour lesquelles un homme quitte la Torah, ne s'approche pas de la Torah. Trois raisons qu'on verra Bezrat Hashem. On est mardi, demain. Bien d'être demain. Chamez à Kenon. Chamez Shmo Otrem. Haïm Tovim, le Rouf qui me mène.